Comment ça se passe la rentrée pour vous alors? Ben, c'est angoissant parce que c'est nos petites filles qui rentrent en sixième. Donc voilà, on est un petit peu angoissé pour elles, c'est normal. Comment ça se passe pour vous la rentrée? Ah, c'est forcément un petit peu angoissant parce qu'une première rentrée en sixième, on perd un peu notre petite fille et puis là on a une collégienne. Alors elle est un petit peu angoissée, puis nous beaucoup aussi. Et justement pour elle, comment ça se passe? Vous l'avez préparée? Oui, mais alors nous on est enseignants, donc forcément on l'a un petit peu mieux préparé, on l'a expliqué comment ça se passait la sixième, on a essayé de faire descendre un petit peu la pression, mais bon malgré tout il y a toujours un petit peu d'angoisse, c'est le jour de la rentrée, c'est normal, elle attend de savoir si elle aura ses copines avec elle. Ouais. Les enseignants sont rentrés vendredi, c'est le grand jour aujourd'hui, les sixièmes ce matin, les autres niveaux dans l'après-midi. Cette rentrée elle se prépare en amont. L'année passée, dans le cadre du cycle 3, les élèves de CM2 visitent le collège. Il y a des liens entre les écoles et le collège. Ça permet aux enfants d'être moins stressés le premier jour, d'être dans les lieux connus. Ça enlève beaucoup de stress pour tous ces petits sixièmes. Puis après, ils sont vite déstressés, hein, croyez-moi. Hein. L'expérience nous montre qu'ils prennent leur Mac rapidement. La rentrée scolaire cette année est placée sous le signe de la bienveillance et de l'inclusion scolaire. Des efforts ont été faits dans toutes les écoles de France et en particulier ici à l'école du centre qui est un gros établissement pour assurer à chaque élève un accueil en fonction de ses besoins et adapter les stratégies pédagogiques qui sont nécessaires. Toute l'équipe enseignante est heureuse de retrouver les élèves et la bonne humeur est de rigueur, le sourire. Et le bien vivre ensemble et la protection d'un très bon climat scolaire sont nos priorités. Comment ça se passe la rentrée? Bah, c'est bien, mais on est surprise d'être avec la classe qu'on est. Pas trop triste de reprendre l'école? Non. J'aime bien la rentrée aussi parce qu'on voit tous les copains et tout ça, donc voilà. Bah, moi je suis un peu triste de quitter les vacances, mais bon. La rentrée scolaire à Aix-les-Bains s'est bien passée dans l'ensemble de nos 9 groupes scolaires. 2142 élèves ont pris ce matin le chemin des cours d'école, de leur classe, ce qui veut dire une augmentation d'une trentaine d'élèves par rapport à l'an dernier. Et en plus, bien sûr, du corps enseignant, nous avons 170 fonctionnaires, 170 agents municipaux qui, dans les domaines de l'accompagnement scolaire, des sports, de la culture, sont aux côtés des enseignants pour proposer aux petits Aixois toute une gamme d'activités pédagogiques, hors temps scolaire, restauration scolaire, culture et sportive, donc au service de toutes et tous. Thank you.